Jean Sodio, nous pral parler de yon verset que tout le monde connaît dans la Bible qui c'est Psaume 119 verset 105 qui dit ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Jean cantique l'an dit hein, nous connaît cantique qui dit cher Seigneur kembe même. Aidez-moi rete ferme. Moins bouqué, fatigué tellement. Nous connaissons le chemin pas facile. Il y a un autre cantique qui dit ça encore tout. Chemin pas facile, chemin pas facile. Mais depuis Jésus marchait avec nous, nous connaissons tout bagay qui est difficile à paraître facile. Eh bien, nous connaissons parole bon Dieu qui se boussole nous. Li la pou éclairer chemin nou. Li la pou li éclairer route nou. Les routes la fait noir. Li la pou éclairer pou faire route dans la vie nou. Parole bon Dieu, li la pou li mettre lumière dans âme nou. C'est comme ça. Jean verset en disant n'a parlé de li jodi an pendant ou chita avec famille avec zami pour nous tande conseil ça que n'a ba ou jodi an. Parole bon Dieu c'est force nous force moi même avec ou là nous pas gain secours là nous pas gain personne. Parole bon Dieu li là pour aider ou là où notre tristesse. Parole bon Dieu là pour faire route sur chemin. Là par route pour passer pour moi-même avec vous. Là nous pas connaître si pour nous monter si pour nous descendre. Parole bon Dieu là pour faire route pour nous. Mais faut que nous les paroles là. Parce que ou même cap garder nous là. Ou qui doit son cabane l'hôpital, ou besoin parole là. Ou qui doit avoir un problème qui a tracassé ou par une route pour passer, ou besoin parole là. Ou qui doit avoir une famille, des amis, qui a mis un tribo par bord, ou qui doit avoir un problème. Ou pas connaître qui route pour passer, ou pas connaître qui côté pour faire. Ou pas qu'on si pour me faire à gauche, si pour faire à droite. Ou besoin de parole là. Pour clairer route. Ou besoin de parole là. Pas garder sous amis. Pas garder sous famille. Pas compter sur eux. Ils ne peuvent pas faire rien pour eux. Mais ou besoin de parole là. Prends parole là. Lis parole là. Nourris. Nourris. Pendant que vous pendant que vous nourris, faire route pour vous. Côté pas de route. Là, ouvrez porte côté pas de porte. Toute porte qui ferme, parole là, c'est même qu'à ouvrir pour faire route, pour pouvoir passer. C'est ça que nous dit aujourd'hui. Hein. Ou besoin de parole, bon Dieu, dans la vie, pour tracer chemin pour vous. Ou besoin de parole, bon Dieu, dans la vie, pour éclairer route. Ou besoin de parole, bon Dieu, dans la vie, pour éclairer l'homme. Pour mettre la lumière dans l'âme. Pour nous capables de voir le fait noir avec le fait clair. Parce que en pile fois, nous pensons que le fait clair n'est pas fait clair. Mais là où il y a la parole bon Dieu dans l'âme, dans la vie. Là où il y a la parole ça qui entre en dedans ou tout bon vrai. C'est le ça ou après le fait noir. C'est le ça, Dieu a vu ouvrir. Ou a vu l'autre vision. Dieu a ouvert spirituellement. Ou ka comprendre lè ou fè route avec bon Dieu tout bon vrai avec lè que c'est dans le monde c'est route monde là ou fè l'autre parole là en dedans l'a ka fè ou fè différence ça parce que pas oublier gen chemin bon Dieu qui c'est chemin étroite là gen chemin qui large là qui c'est chemin pour aller dans l'enfer qui c'est chemin
qui chemin monde là. So ou besoin parole bon Dieu pour capable faire route pour capable passer. Ou besoin parole ça pour capable montrer qui voit pour capable suivre. Est-ce que c'est voie bon Dieu à suivre ou bien est-ce que c'est voie monde là? Est-ce que c'est chemin pour aller dans monde là qui montre tout ça qui pas bon yo, qui prend tout pour prendre tout ça qui dans le monde là pour dire ou à mettre sur leur coincé avec bon Dieu à marcher et vous c'est dans monde là où y est. Mais lorsque parole bon Dieu dans la vie, lorsque parole ça pour éclairer ou tout, ou capable faire différence là. Frère Maxime yo, toujours songer pour nous capables lire parole bon Dieu. Laisse nous garder un autre verset encore dans l'Ancien Testament qui c'est Proverbe 6 verset 23, il parle nous de même bagaille là. Là où lit dans le Nouveau Testament, dans Jean 8, verset 12, nous est même bagaille là. So, ça veut dire parole bon Dieu est important pour capable lire. Parole bon Dieu est important pour capable connaître afin que pour capable clairer chemin. C'est seule parole, vraie parole, qui c'est boussole que nous gagnons, qui c'est source connaissance la vie, qui est capable clairer ou tout, clairer chemin. Oublier depuis le faire ça toujours songer pour aller garder chaud ça pas oublier nous toujours porter conseil pour nous bon petit conseil ça pour depuis le faire ça toujours songer pour aller garder chaud ça avec famille avec les amis pour capable venir garder nous t'es bien content avec vous c'était chaud Jordan Sénalujan qui était ensemble avec vous que bon Dieu bénisse.